tout le monde, c'est Pseudal. J'espère que vous allez bien et ça fait très longtemps, mais vous l'avez vu normalement dans ma vidéo activité pour 2025. Et ben voilà, on se retrouve sur Lego Star Wars The Complete Saga, je vais dire Lego Batman par habitude. Il faut le finir, jeu, mais je l'ai dit aussi dans la vidéo activité. Il reste beaucoup de choses à faire, il va être très très long à finir le jeu. Mais écoutez, on se retrouve pour l'épisode 16, si je dis pas de bêtises. Et je sais plus du tout ce qu'on a fait la dernière fois. On a affronté un général Grievous que j'ai trouvé stylé mais très low cost par rapport au jeu de 2007. Et on a des petits changements. Alors déjà, je pense qu'on a une qualité incroyable. Alors c'est un jeu de 2007. Vous excitez pas. Et ensuite, j'ai pu installer un reshade. Regardez si je fais ça. Hop, sans. Avec. Bref, ça rehausse les couleurs, ça lisse un peu et c'est un peu plus joli. Donc écoutez, on est parti, on perd pas de temps, chapitre 3, le général Grievous. Oui. Je sais plus, ouais, on est à l'épisode 3, la vengeance du Sith, ouais, c'est ça. Ouais, écoutez, je regarderai les gosses. Je regarderai Star Wars, ne me faites pas chier. Donc, général Grievous, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker ont sauvé le chancelier Palpatine, mais son ravisseur, le général Grievous, est parvenu à s'échapper. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le conseil des Jedi a chargé Obi-Wan Kenobi de pourchasser Grievous qui se cache sur le monde hostile d'Utapau. Utapau? Utapau? Je ne sais pas. J'appuie sur Start pour commencer. Oh. Ça m'a l'air quand même un peu plus joli, hein. Ah, donc je suis avec un clone. Ah, faut aller. Vous voyez le général Grievous en premier poste. Alors vous allez peut-être me dire, ça sature un peu dans les couleurs. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais écoutez, je vais récupérer. On change pas un truc qui gagne, hein, c'est-à-dire on va récupérer les pièces. Ah, oh! Ah donc c'est juste un combat de boss. Là, ça va aller très rapidement. Alors si j'ai bien compris, il va m'envoyer sur la 2D. J'ai pas récupéré les pièces. Alors ça c'est l'astuce. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand chose à commenter. On est dans un combat de boss et ça va être juste être le combat de boss en fait. La question que je me pose c'est... Alors ça c'est pour le kit. C'est est-ce que mon clone dispose du grappin? Ouais. J'ai vu que tu disposes du grappin. C'est juste à savoir. Mon clone pour mon point. Et pourquoi je vais par là? Je l'avais. Ah ouais, d'accord, fallait vraiment le prendre large. Bah navré, hein, navré pour le commentaire. Bah vous rendez compte que voilà, que... Ah que... Ah et d'accord, et tous les mini-pits en fait sont autour de l'arène. Ah donc c'est vraiment un combat de boss un combat de boss un peu plus simple, t'as juste à taper quoi.
retourner là où on était. Là. Là. Et là, faut... Parce que là, ça c'est... Ah, il fallait. Non. Oh. Ouais, je vais tomber. Oh, oh j'ai de la chance. C'est bon. Bah écoutez, un combat de boss simple. Mais alors, pour vous faire un résumé de la vidéo activité 2025, ce que je disais sur Lego Star Wars, ce que j'ai vu récemment dans un display, le Josplay, pour ceux qui connaissent. Josplay qui a fait... a fait son petit Lego Star Wars de 100% et il a pris énormément de temps pour le finir. Alors je suis vrai Jedi. Eh ben c'est fini. Donc écoutez, épisode 16 déjà fini. Oh non. Boum le blaster. Oh. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc oui, donc Josplay a mis énormément de temps à finir, enfin déjà regardé tout le nombre de persos qu'on va développer, enfin, j'avoue. Et donc ce que je disais en fait, et que j'appuyais au rythme de vidéo, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pas que j'en sorte, je sais pas, on se fait une full semaine Lego Star Wars, où je sors de tous les jours, enfin, peut-être un peu, comment dire, alterné. Mais ouais, il y a des trucs qui se réfléchissent, j'aimerais pas le finir vite, mais c'est que je veux tellement faire d'autres choses à côté. Et je me dis que si on garde le rythme actuel, bah ça va pas le faire. Bon écoutez, merci beaucoup. On va retourner à la cantina. Épisode 16 de reprise, très simple, très court. Bah on était sur un boss aussi, mais ça m'a fait plaisir de le refaire. Mais comme je dis, hein, j'aime beaucoup jouer au jeu, j'aime bien vous partager ce que je fais. Hein. Mon commentaire est dégueulasse, mais écoutez. Voilà, vous suivez mon petit monde. Moi c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Écoutez, merci beaucoup. Comme d'habitude, on revient en force, les montages se font beaucoup plus rapidement et le jeu est très beau. Alors, c'est un jeu de 2007, on va se calmer, mais voilà, j'ai un PC de la NASA. Je suis content, je suis très content. Et merci beaucoup, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Voilà, on va faire ça. C'était Pseudal, salut, salut.